An attack-minded fullback in his playing days, Willy Sagnol has always adopted a positive approach in life. Whether raiding up the right for France and Bayern Munich, or delivering spiky one-liners to the press. So it's hardly a surprise to see Sagnol's Bordeaux display an up-and-at-them approach this season. Forcément, mon parcours en Allemagne fait que on essaye d'être relativement porté vers l'avant. Aujourd'hui, on est l'équipe qui a réussi à marquer à chaque match. On est l'équipe qui a le plus de buteurs différents. Donc c'est aussi un objectif pour parce que si demain vous marquez 15 buts en 8 matchs, mais que c'est un attaquant qui en a mis 10, bah, le danger vient essentiellement de cet attaquant-là. Donc une des forces aujourd'hui de Bordeaux, c'est de pouvoir attaquer un petit peu de partout. The former Saint-Étienne and Monaco defender has been heavily influenced by his 8 seasons in Germany with Bayern Munich, but he also regards his first steps as a coach, taking charge of the France under-21s, as a valuable experience. Je dirais que le passage, oui, de un an avec les Espoirs me sert aujourd'hui dans l'approche, notamment comment interpréter leur approche qu'ils ont du football de haut niveau. Ils sont beaucoup plus mûrs, plus vite, mais du coup, ils sont plus impatients. Donc, ils acceptent un petit peu moins le temps, ils acceptent un petit peu moins la critique, parce qu'ils sont vraiment dans une démarche, ils sont pros dans leur tête très rapidement, sans en avoir forcément la structure mentale ou familiale ou éducative ou socio-éducative autour. Sagnol himself benefited from some fine coaching, having played under Claude Puel and Jean Tigana at Monaco, and Felix Magath and Otmar Hitzfeld at Bayern. Moi, j'aimais beaucoup Otmar Hitzfeld parce que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'un bon entraîneur, c'est celui qui considère son capitaine comme le joueur qui va faire un match dans l'année exactement de la même façon. Il va donner à ces gens-là, à ces joueurs-là, la même importance. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. On ne néglige personne, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Que le joueur joue 40 matchs ou que le joueur en joue 2, mais le jour où il jouera les 2 matchs, il sera performant. Sagnol's approach has breathed new life into Ligue 1, as has the arrival of another new coach in Marcelo Bielsa. The Argentine's notoriously demanding methods have got Marseille winning, but Sagnol isn't totally convinced his success will last. Moi, je la comparais à la méthode un peu Félix Magath, côté allemand. C'est très dur pour les joueurs, c'est très dur et généralement ça dure pas longtemps, mais le temps que ça dure, c'est très efficace. De demander autant physiquement à des joueurs, forcément à un moment donné ça lâche, parce que les joueurs, avant d'être joueurs, sont des êtres humains. Bordeaux look to be enjoying Sagnol's more personable approach to management, and after finishing a disappointing 7th for the past 2 seasons, les Girondins appear to be in rude health once more. Un des premiers objectifs a été rempli, c'était de très bien démarrer la saison. Pas surtout, il fallait se retrouver dans le bon wagon, ce qu'on a fait. Même si aujourd'hui le championnat est très serré, ça va être un championnat qui va rester serré longtemps. Donc il faut rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Marseille et Bordeaux are currently looking down on Paris in the standings. But does Sagnol believe the pretenders can push the champions all the way? Non, mais le PSG sera quand même champion. Parce qu'ils ont les joueurs pour, parce qu'ils ont l'expérience. Et que je vois pas ce qui peut les empêcher, à part eux-mêmes, d'être champions. Ou alors il faudra que l'OM de Bielsa soit à 100% toute l'année. À 100% toute l'année, c'est faisable, mais personne n'est à 100%. Même tous les jours, personne ne peut être à 100%.